Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft. On est sur notre petite partie en solo, tranquille. Avec notre magnifique base incroyable qu'on avait fait la dernière fois. On a notre petit potager. Hop, on plante des carottes. Ouais, on a un zombie là-dessous, c'est rien, c'est pas grave. On a des poules, on a des vaches, et c'est à peu près tout ce qu'on a pour moi. Voilà, c'est tout petit, mais ça va venir tranquillement. Et coucou Xena, comment tu vas? Du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu la base. Salut Lan, ça va? Tranquille? Fais comme chez toi? Ok. Et j'aimerais bien aller miner, essayer de trouver du fer et surtout du diamant. Ça serait bien du diamant. Ça serait très très bien. Ok, on a nos petits arbres qui poussent. J'ai une pioche en fer, c'est déjà bien. Par contre, j'ai plus de hache. Possible d'avoir une hache? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, ça on peut poser. Ça on peut poser. Oh, j'ai un peu de fer quand même. Ça, on peut poser. Il faudrait que je me refasse des torches. Ça peut être une bonne idée, des torches. Toujours une très bonne idée d'avoir des torches. Là-dedans, il y a quoi? Ok, on peut poser la terre. Hop. Orange. Il n'y a pas grand-chose, hein. Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose. La pierre. On va peut-être commencer par aller creuser un petit peu. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est l'établi, il est où? L'établi! J'ai plus de bâton! Pas de problème. Quatre bâtons, on va pas aller loin. Suffisamment pour faire une pioche, on va faire deux pioches. Ouais. Faire deux petites pioches en pierre. On va aller creuser un peu. Ça en pose. En pose. Oh, ça on peut garder. On a deux flèches. Incroyable, on va aller très loin avec ça. Ah oui, c'est pour ça qu'il me fallait des poulets aussi. C'était pour faire des flèches. Tout ça on pose. On pose, on pose. Et le seau, on va le prendre. Ça peut servir. On va même le remplir d'eau. Ok. Bon, on avait fait notre magnifique escalier là ici. Incroyable escalier. Et puis on va commencer à creuser à partir d'ici, vu qu'on avait des mines qui menaient absolument nulle part. Allez, on va se mettre juste ici. Et on va commencer à creuser. On est en combien là? En 72, on est très haut. On va faire ça, hop, ce sera plus pratique. Allez, on veut du fer, du diamant. Plein de choses, quoi. Je vais peut-être pas faire deux de large, on va faire qu'un seul. Au moins, en tout cas. Ouais. Ça sera suffisant. De façon, je pense qu'on va finir par tomber sur une grotte. Au moins une petite crotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est très bizarre ça, non? C'est un bug ou quoi ça? C'est moi ou on dirait qu'il n'y a pas de bloc? Pas trop envie de descendre là. Pourtant, c'est de la pierre. Wow.
Qui c'est que ce délire? Ok. Et là, c'est redevenu normal. Ouais. Bon, c'était bien un bug. Ouais, ça fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était très bizarre. Vraiment. Allez, on creuse. Je veux pas d'autres bugs comme ça. Non, c'était pas. C'est pas incroyable, ça. Du gravier! C'est chiant le gravier. J'ai pas de pelle en plus. Terrible. Oups, par contre, du charbon. Je récupère. Préfère du fer, mais bon, le charbon, c'est bien aussi. Ah bah voilà, du fer. Que demander de plus? Plus de fer, parce qu'un seul, ça fait pas beaucoup. Ouais, non, c'est vraiment pas beaucoup. Bande de radins. Bon, on a tout pris. Et ben, on continue notre trou. On va essayer de descendre quand même assez profond, après on ira tout droit. Et on finira bien, je pense, par trouver des grottes. J'espère. Ouais, on trouve toujours des grottes. Du fer! Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on veut, du fer. Plein de fer. Bah, je veux aussi du diamant. Ouais. Ah, j'ai cassé ma pioche. Je crois que je suis déjà passée dans cette grotte. Il y a des torches. Aïe. Alors, on va continuer de descendre. On va juste poser. Comme ceci, on se fait un petit escalier. Hop. On continue notre route. S'il y a des torches, c'est qu'on est déjà venu. Ça ne sert donc à rien de s'attarder ici. Alors. On a combien là? 28. Ouais, je pense qu'on peut encore largement descendre. Beaucoup plus bas. Descendons toujours plus profondément. Au cœur de la terre. Et on creuse, et on creuse, et on creuse. Termes de torches, ça va? 39 torches, ça va, on a de quoi faire encore. Par contre, ça va être chiant pour remonter. Pas trouver une petite grotte? Petite grotte sympathique? Non?
Moi, je serais pas contre une petite crotte. Nouvelle pierre. C'est la pierre de l'abîme, ça, non? Pierre des abîmes. C'est ça. Ça veut dire qu'on commence à être profond, non? On travaille vachement sombre. Toujours plus rassurant les bruits. On aime bien. Elle est plus longue à miner la pierre là, non? J'ai l'impression. Elle est plus costaud. Ah, oh, du lapis! Tout ce qu'il y a? Tout ce qu'il y a. Mais c'est déjà bien. Lapis lazuli. Commence à trouver des choses intéressantes. Bah, pas de diamant. Ah, je viens de casser ma deuxième pioche en pierre. L'attaque, c'est l'enfer. Là, on est en moins 10. Moins 10. Ben, continuons notre descente. Et par contre, pas de crotte. Rien du tout. Ah, du fer. Hey, coucou Nico, comment ça va? Un fer. Non, mais ils sont vraiment radins, hein. Un bloc de fer, quoi. C'est quoi avec ça? Rien du tout avec un bloc de fer. Commence peut-être à être assez profond, non? Combien? 21. Non! Échappe. Enfin, moins 21 plutôt. Pas du tout si. Si on est bien, si on est trop haut, si on est trop bas. Là, je descends vraiment dans les profondeurs, hein. Il n'y a pas l'ombre d'une grotte. Et puis grotte? Dans le jeu. C'est fini. Plus de crotte. On a trouvé un peu de lapis, mais c'est tout, hein. Oh, terrible, là. Pas terrible du tout, tout ça. On est en combien là? Moins 40. Mais non, mais à chaque fois je manque deux touches. Peut-être un peu trop bas, non? Je sais pas. C'est quoi la profondeur max? Là, une bonne question. Il me reste plus que 28 torches. Mais c'est qu'il n'y a rien du tout.
Je vois pas grand-chose là-dedans. Je pense qu'à moins 60, on va arrêter de descendre. Hein. Alors on est déjà très loin là. En ça s'arrête jamais. Quoi ça? Je crois qu'on est tout en bas en fait. On serait pas arrivé tout en bas. On est peut-être descendu un peu trop bas. Ouais, ça c'est la pierre à cassable. Ok. On est peut-être un petit peu trop bas. Je crois qu'on va remonter. Ah ouais, non, mais là, je suis vraiment partie loin. Ouais, moins 60, on s'arrête. Bah, de toute façon, moins 60, on peut pas descendre plus bas. Je suis partie un peu loin, je crois. Bah, on se met où, alors, pour creuser? Est-ce qu'on se met plutôt au niveau de la pierre? Pierre comme ça, ou celle d'en dessous? Se mettre au niveau de celle-là. Ouais. On va se mettre à creuser par là. Hey, coucou mon Grim, comment ça va? Ouais, celle-là, elle se casse plus facilement. Je sais pas si. Si on trouvera plus facilement quelque chose ou pas, mais. On va se mettre là. Ah, ma tête en feu! C'est la torche! Je me brûle les cheveux! C'est terrible. Non, c'est rien, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ma pioche! J'ai plus de pioche! Bon. 8 fers, c'est pas incroyable. Hein. J'ai même pas pris de bouffe sur moi. Terrible. Ah si, j'ai mis steak là. Bon! Bah, cette excursion ne fut pas incroyable. 8 fers, un peu de lapis. On a vu mieux. Oh oh. Plus de pioche et je peux pas remonter. Pas grave, on casse ça à la main. Ah, c'est long. C'est beau. C'est bon. C'est bon, on peut remonter. Remontons. On n'a vraiment rien trouvé par contre. Là, il manque un bloc. Fils, t'es déçu. Ouais. Hop, voilà. Je suis plus en feu. Oh, les arbres, ils ont poussé. Ça a poussé. Quel champ là, ça a poussé un peu. La betterave. Ok, elle a pas poussé en fait ma betterave. Si? Si, c'est bon, j'ai des graines. Ça pousse la betterave. Hop. Voilà. Ah, il y a plein d'œufs. Donnez les œufs. Donnez-moi vos œufs. Donnez-moi vos œufs. Voilà. Pas de poulet. Dommage. Ok, bon, on va faire un petit peu, on va faire un petit peu de l'installation. Mais c'est terrible, hein, vraiment. On sait pas qu'on ressortirait aussi bredouille. Voilà, la meilleure ou la pire des abîmes.
C'est de la pierre, de la pierre, de la pierre. Au moins, on a de la pierre. On a beaucoup de pierre. Ça, on va le mettre là. Pof. Ok. On va le faire. C'est pas tout de suite qu'on a une armure, faut le faire. Hein. Du coup, le fer, on va se refaire quand même. Une pioche en fer. J'ai plus de poids. Ah, on va se faire une hache. Hein. Non, mais je fais des bêtises. D'abord, on fait des planches. Ensuite, on fait des bâtons. Voyons. La pierre. Donne-moi la pierre. Hop, on va se faire une pioche en fer. Par contre, une hache. Non, ça, c'est une houe, c'est pas une hache. Elle est où, là, où la pile à hache en pierre? Elle est là. On va même en faire deux. Hop. Ah, on va peut-être se refaire des... deux pioches en pierre aussi. Au moins, on va économiser un peu le fer parce que... ouais. C'est pas fameux. Hein. 21. De fer. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va faire un petit peu du bois. Puis on va faire un peu de la construction. Ça sera bien aussi. Se faire des beaux champs, des beaux enclos pour les animaux. Essayer d'avoir un petit peu de tout comme animaux. Puis on redescendra dans les mines un peu plus tard. On ira bien par le trouver, le diamant. On l'aura. Au moins trois, histoire de se faire une pioche. Histoire d'avoir de l'obsidienne. Et de partir dans le Nether. Ah oui. Premier objectif, le Nether. Peut-être faire un peu de terraforming ici. Peut-être l'aplatir un petit peu la plaine. Là. Il y a toutes les fleurs. Pas tout aplatir. Et du bois. Ça sera déjà pas mal. Et il va faire nuit. Et la nuit, on va dormir. Ouais, ouais, ouais. C'est très bien de dormir la nuit. Ça évite qu'il y ait des creepers qui viennent nous embêter. Qu'est-ce que t'en penses, Lan? Que sa vie, lui. De là, je veux pas te taper. Magnifique soleil. Ouais, en tout cas, pour moi, les grottes... c'est pas trop ça. C'est vraiment pas ça. Ok. Hop. On va se faire des petites planches de bois. Ici, je vais peut-être agrandir un peu le champ. On va se faire une houe. Ouais. Une houe en pierre, ce sera très bien. Hop.
Alors. Va agrandir comme ça. Hop, là, on va refaire un trou. C'est vrai qu'il y a un trou en dessous là. Effectivement. Voilà. Ni vu ni connu. Y a rien du tout là-dessous. Voilà. On va faire ça comme ça. Là, on met de l'eau. Il en manque un. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a principalement des betteraves. Betteraves, c'est bien, mais il ne faut pas que des betteraves. Carotte, elle n'avait pas fini de pousser. Pas grave. On va mettre les carottes ici. Des betteraves, ça c'est encore des betteraves. On va récupérer les patates. On va les mettre là, les patates. Et là, on va remettre du blé parce qu'on a jamais trop de blé. Le blé, ça sert beaucoup. Juste les graines, pas le blé par contre. Merci. Hop. Voilà. Hey Sam, merci pour ton follow et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Du coup, on va déplacer les vaches. On va les mettre à côté du champ. Ils sont à peu près à ce niveau-là. Non, pas là. Voilà. Voilà, on leur fait un truc un petit peu grand, un petit peu cosy. On va même leur faire une petite fenêtre. Bon, par contre, toute petite, hein. Je sais pas si j'ai du... Est-ce que j'ai du sable pour faire du verre? Sais pas. Elles sont très bien là, ici, nos vaches. Hop, on va leur faire une deuxième fenêtre. Pouf. Elles seront parfaitement bien. C'est comme ça et puis c'est tout. Pas qu'elles se plaignent non plus, hein. Ah, il manque juste là. La parquière, j'en ai encore ou il faut que je casse celle-là? J'en ai. Ah bah oui, j'en ai des vitres. On va pouvoir leur faire des fenêtres un peu plus grandes en fait. J'ai des vitres, que j'ai des vitres. Hop, on va faire comme ça. Voilà. On fait des grandes fenêtres. J'ajouterais bien un de hauteur en fait. Ah! Voilà. Hop! Là, on ferme. Comme ceci, ils seront à l'abri de la pluie et tout. J'ai déjà plus de bois. Ça part trop vite. Pose deux blocs et il n'y a plus rien. C'est terrible. Ouais, je n'ai plus.
J'en ai plus. Alors, on va mettre par contre une torche ici, une torche là, une là et une là. On les éclaire bien, les vaches. Et toi, fermé. Non, pas là. Pas là! Poussez-vous, les vaches. Poussez-vous! C'est bien, elle est naturellement dans votre nouvel enclos. Il y en a une qui est pas allée, c'est pas grave. Du coup, désolé. Adieu la vache. Elle a qu'à suivre ses copines. Ok, on va mettre le petit portillon ici. Hop, on ne sort pas. Voilà. Et on peut casser tout ça. Voilà. Ça va, elles sont très bien ici, nos vaches. Nos petites vaches. Même leur mettre une petite torche là et là. Faudra juste finir le toit. Hein. On va recouper un peu des arbres. Et on va mettre les poules à côté. Hein. Ouais. Ça ira bien pour moi, les poules à côté. Je vais essayer aussi de récupérer des moutons et des cochons. Ce sera une bonne chose de faite. Ça, on aura un petit peu un élevage de tout. On sera tranquille. Va déjà faire nuit. Ça vient trop vite la nuit. Y aura-t-il des troncs à ces arbres? Moi, je vois des feuilles. Allez, hommage. Allez, hommage! Rendez-moi mâche! Il y en a des moutons. Il y a des petits moutons. Ah, par contre, il va falloir aplatir. Ouais, il va falloir aplatir. Venez les vaches! Faites des bébés. Petite boule d'XP, je récupère, merci. Ah non, mais j'en avais encore là en fait du bois. Excusez-moi, je rentre. On va terminer le toit. Voilà. Faut juste plus de vide pour terminer la fenêtre. Et puis ce sera très bien comme ça pour l'instant. J'en ai encore un du verre. Ouais. Voilà. 16 petites vitres en plus. Oh, c'est pas hyper joli, mais c'est pas hyper moche non plus. Attendez, elles sont où mes vitres? Merci. Poussez-vous. Interdiction de sortir pendant que je change le bois en vitre. Est-ce que c'est bien clair? J'espère que c'est clair.
Eh ben voilà. Allez, tout le monde au lit. Faut faire dodo. Normalement, j'ai de la terre, comme ça on va terraformer un petit peu. Et on va installer les pôles. J'ai plus de place dans mon inventaire, moi. Hop, ça on peut poser ça aussi, ça aussi. Ça on pose. Ça aussi on pose. Hop. Mettre de la terre un peu partout. On va installer les poules. On va peut-être pas trop terraformer non plus parce que là on va finir dans le vide. Ça va mettre alors 200 blocs pour boucher le trou. Ça va pas le faire. Je pense que c'est comme ça, c'est bon, on a la place pour mettre les poules. On les colle ou est-ce qu'on laisse un espace? On va laisser un espace entre les deux. Trois blocs. Ouais. Ça va être bien là comme ça pour les poules. C'est un moteur? Ouais, je crois que c'est le moteur. Hop. On vient pareil jusqu'ici. Non! Oh, tu te places pas bien, toi. Voilà. Ou alors remettre des fenêtres. Elles auront la vue sur leurs copines, les vaches. Crois que les deux enclos sont trop proches, hein, mais c'est pas grave. Façon, tout ceci sera sûrement sujet à modification dans le futur. Donc, au moins, on dira que ce sera très bien. Voilà des petites vitres, des petites torches. Ouais, c'est un peu plus petit que celui des vaches, hein, mais c'est pas grave. Ce sont les poules. Elles sont plus petites. Barrière, barrière, barrière. Et il manque juste la porte qu'on va récupérer. J'ai bien du blé sur moi, moi. Allez, venez les petites poules. Attendez, je récupère vos œufs au passage. Venez, venez, on me suit. On déménage. Déménagement des poules. Tout le monde est là? Tout le monde est en rond? Eh merde! Attendez! Je l'ai mal placé! Revenez les poupoules! Revenez! Je mets bien au fond! Voilà! D'où tu sors, toi? On ne sort pas! Ah, oh, mal élevé!
Vous, vous êtes resté, vous avez le droit du blé. C'est bien. Casser ma hache. J'ai cassé ma hache. Ouais, ben voilà. Hop, je récupère l'XP. Par contre. Ouais, faudrait que j'aplatisse tout ça en vrai. Ce qui fait quand même beaucoup. Il va me falloir un endroit pour les moutons. Et pour les cochons. Ça fait vraiment beaucoup. Ça va me demander aussi beaucoup de terre. Ah non, mais en plus, les fleurs, elles vont gêner. C'est terrible! Ouais, faut faire un gros nettoyage de la zone. Virer toutes les fleurs. Ah bah si on veut du colorant rouge, on en aura. Hein. J'ai déjà essayé de faire tout ce côté-là. Ça déjà pas mal. Non, on peut le laisser en fait. Ce bloc de terre, on peut parfaitement le laisser. Ah mais j'ai déjà plus de terre en vrai. J'ai déjà plus de terre! C'est un problème, non? Genre. Un gros problème. Non, là, il n'y a pas de terre. Ouais, 64, on va pas aller loin avec ça. D'ailleurs, avec le fer qui reste. Je vais me faire une armure en vrai. Hein. Ouais, je suis à moitié en fer, à moitié en cuir. Hop, les jambes. De toute façon, il faut bien qu'ils servent ce fer. Il manque juste le casque. Que je vais peut-être pas faire parce que je vais plus vraiment du tout avoir de fer si je fais ça. Et... en garder un peu quand même. Ouais. Après, je peux récupérer sur la butte qui est là-haut, la terre. Hein. En vrai. Ah ouais, 64 blocs, ça part à une vitesse. On a l'impression que c'est beaucoup, mais... pas tant que ça, en fait. Hein. Voilà. 64 blocs de posé. Ok. Bah, je vous le dis, on n'a pas fini. Hein. Alors... voilà. Moins 3 pelles en fer. Au moins. Minimum. On va aller aplatir la butte qui est là-bas. Il faut bien la prendre quelque part, notre terre. Salut le mouton, ça va? Ah, ça va aller plus vite de la poser.
que de la ramasser, la terre. Et en plus, il va faire nuit. Il faut toujours qu'il fasse nuit. Oh, il fait toujours nuit. Bon, ça va avec la pelle en pierre, ça va quand même. Ça va quand même assez vite. Sinon, il y a la possibilité, je recouvre partout. Mais juste la dernière couche. Alors, en dessous, ça risque de faire des trous assez sombres. On va avoir des zombies qui vont spawn, qui vont foutre le bordel. Est-ce une très bonne idée? Je ne sais pas. Ah, les fleurs rouges, on va en avoir. Hein. On va en avoir des fleurs rouges, je ne plus savoir quoi faire. J'ai encore des torches. Ah, lumière. C'est bien la lumière. Pelle en moins. Ça se casse aussi très vite les pelles. Bon, c'est un travail long et fastidieux, mais... faut le faire. Et vous verrez. Ce sera très joli, notre petit coin. Ça sera tout mignon, tout plein. On finit de faire ce morceau-là. On va reposer la terre. On va remettre une petite torche. C'est étonnant, il n'y a pas de mob qui spawn. Puis nuit, il n'y a personne. Mais c'est normal. Étrange. Ah, ils vont tous être à côté de ma baraque. Il va y avoir des creepers partout autour. Ça va être terrible. Et de deux pelles de cassé. Alors, en parlant de creepers, on voilà. Salut toi! Interdiction d'exploser. Meurs, Creeper. Il est mort. Il est mort, le Creeper. Ceci n'est pas un mob, ceci est un mouton. Ceci est un Creeper. Je veux tout boucher, alors va pas me faire de trous. Ah, le zombie qui vient avec. Mais laissez-moi tranquille! On va peut-être dormir quand même. On sera plus tranquille. Ouais. Dormir, c'est bien. Et on y verra plus clair aussi. Voilà. Wow. C'est quoi ce gang de creepers encore?
viens tout seul, hein. Gentil creeper, on n'explose pas. Il n'y a pas juste un qui veut venir? Quoi? Hop, 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 on n'explose pas. Saleté de creeper. Pourquoi? Faut que ça explose, ces trucs. Et pourquoi il a explosé, là? J'étais loin. Salut, toi. Au revoir, toi. Un Enderman. Normal. Bon, on peut reprendre... nos travaux. En paix. Sans personne pour venir nous embêter. Avec ces magnifiques troupes que le creeper nous a fait. Oh là là. Il nous rajoute du travail, hein. On rajoute bien trop de travail, ce truc. Et coucou Raspoon, comment ça va? Voilà, on repousse tout. Ni vu ni connu. Il ne s'est rien passé. Creeper. Les creepers. Alors, on est bien là. Ça se bouge bien. Oh, moi, ça va toujours. Ça va toujours. Les creepers qui nous embêtent, mais pour ça... On va bien. Là, on fait un peu de terraformation. Un petit peu long, mais bon... Bien. On va retourner dans les mines. Les mines. Enfin, si j'en trouve une. Au moment, c'est pas fameux. On a vu mieux en termes de mines. Peut-être pas ça de la façon la plus optimisée, moi. Mais non, mais... Oh, hey, j'ai du mal. Bon, on arrive déjà à la fin, c'est terrible. Il n'y a plus de terre. Ça va le mouton, tranquille. Ouais, ça va, ça avance. Et il n'y a plus rien. Ouais. Ça va être très très long à faire. Du coup, je pense que on va peut-être faire un petit enclos provisoire. Genre là, ici, pour les moutons et les cochons. Puis on avancera petit à petit sur le terraforming. Ouais. Hop, on va faire ça comme ça. Le truc est un petit peu grand, je vais mettre les cochons et les moutons ensemble. Non, toi va-t'en. Va-t'en. Ok.
On va oublier la porte. Voilà. Juste que je la crafte, la porte. La porte, comment on fait ça déjà? Hop. Et ben voilà. Alors, par contre, ça on pose ça aussi. Le blé également, ça on peut poser les fleurs. Il me faut donc des carottes et du blé. Pour les cochons et les moutons. C'est d'avoir un couple de chaque. Alors les moutons, on en a vu là-bas. On va chercher celui qui est tout là-bas. Petit, 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 tu veux mon bon blé? Viens chercher mon blé. Allez, viens. Je suis. Et toi, tu viens aussi. Voilà. Faut vous mettre en sécurité, il y a trop de creepers dans le coin. Je vais vous emmener dans un endroit où vous serez bien. En sécurité. Y a que moi qui aurai le droit de vous manger. Ça vous convient? Ça leur convient. Ok, les moutons, c'est fait. Non, les cochons, j'en ai pas vu un hein, là dans le coin. Où est-ce que j'ai vu un cochon? Petit, petit cochon! Il y a des chevaux. Les moutons, ça va, est-ce qu'il faut. Ah, cochon, je sais bien qu'il y en avait un dans le coin. Cochon, cochon, viens, mon grand. T'es bien de faire une porte de ce côté, en fait. Viens, mon grand. Allez. Hop, tenez, vous avez le droit de manger du blé. Me faire des petits moutons. Bon, il me faut un deuxième cochon, par contre. Où est-ce que je vais trouver un deuxième cochon? Il y a un lapin. Sinon, par là en bas, il y avait un cochon, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Toi! Viens, mon grand. Allez, viens. Petit, petit cochon. Saleté les moutons. Venez là les moutons. On ne sort pas. Venez. On ne sort pas. Hey, coucou Nirney. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va. Carottes. On va replanter des carottes. On va manger des carottes et des patates. Pas cette patate pour tout planter. Mesure de précaution, on va quand même vous mettre des torches sur votre enclos. Voilà, sécurité avant tout. Et bien voilà, disons qu'on a la base en termes d'animaux. Et on les a par deux en plus. D'ailleurs, on va reproduire les cochons. J'ai dit les cochons. Tiens. Et tiens, moi j'ai des carottes. Et faites tes bébés cochons. Voilà.
Allez, on va dormir. Vingt-sept prises pour une vidéo. Et je dois en faire 10 autres. Ouh, eh ben bon courage à toi. J'ai confiance, tu vas y arriver. Eh, coucou monsieur Oups, comment ça va? On va poser ça, on va poser ça, on va poser ça, ça. La plume. On va retourner un petit peu dans les mines. Par contre, nourriture, on peut prendre quoi comme nourriture là-dedans? J'ai un mouton cuit. J'ai pas grand-chose en vrai. Faire cuire le bœuf et le poulet. Hop, ça je récupère. Mais c'est drôle de se dire que j'utilise Streamlabs pour le boulot du coup. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ouais, c'est cool. Mais écoute-moi, monsieur, oups, ça va très bien. Hey, coucou, Pagis. Non. Non, l'anglais, non. Ah, mais arrêtez. Mon anglais est pourri, tout le monde le sait. Oh là là. Non, mais. L'anglais. L'anglais, mais qui c'est qui a inventé cette langue? Il n'aime pas ça, l'anglais. Ça pour une fois, oups. Je vais pas te contredire. Moi et l'anglais, on fait pas bon ménage. Pas du tout. Ok, on va garder le seau. On va prendre un petit peu des côtelettes et du poulet, ça sera très bien. Hop. Celle-là, on va les ranger. Va falloir que je range mes coffres. Hein. Non, mais c'est terrible. C'est n'importe quoi. On va ranger la pierre, ça aussi, ça aussi. La pelle. Je vais pas en avoir besoin. J'en ai pas besoin, mais on va le garder quand même. On sait jamais, ça en prend. J'ai plus de place dans mes coffres en plus. Allez hop. Excusez-moi. On va poser. Non, on va garder ça. Du bois. Je vais refaire des bâtons. Hop. Voilà un petit peu des bâtons. Charbon aussi. Oh, charbon, c'est terrible, il m'en faut également. Allez, une quarantaine de torches. Ça suffira? Hop, on va garder ça sur soi quand même, juste au cas où. Peut-être me refaire une épée. Peut-être faire une épée en fer. En vrai de vrai. Voilà, une petite épée en fer, ça sera pas mal quand même, hein. On va prendre 2-3 carottes. On va mettre là. Hop, voilà, comme ça on mange une carotte. On prend un seau d'eau. Au cas où, c'est toujours bien les seaux d'eau. Puis on va redescendre. En espérant que ce soit plus fructueux que tout à l'heure. Combien est-ce qu'on pourrait descendre? Je sais pas. Est-ce qu'on se mettrait pas au niveau de la grotte? Non. Ah, on va se mettre là. Allez. On va creuser ici. Bon, le diamant, je sais pas si on en trouvera là, mais si au moins je trouve du fer, ce sera pas mal. Mais vraiment, je voudrais du diamant. D'accord, ça c'est de la terre.
On est loin du diamant, là. Le cuivre, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme cuivre? C'est impressionnant. Alors que honnêtement, je crois qu'on s'en fout du cuivre. Bah si au moins on pouvait trouver une grotte, ce serait déjà bien. Une petite grotte. Ouais. Ça pue, hein, là, franchement. Je sens qu'on va faire chou blanc comme tout à l'heure. Du fer! Du fer! Oh, il n'y en a pas beaucoup. De la terre. Sérieusement, de la terre? Beaucoup de terre d'ailleurs. Ah, du charbon, ça m'intéresse aussi. Je prends le charbon. J'en ai plus du charbon. Alors on prend. Quelqu'un qui sait un petit peu à quelle couche on peut trouver du diamant ou pas du tout? Est-ce que c'est au moins comme avant, il y a une certaine couche où on peut trouver du diamant? Ou pas du tout? Et une pioche en moins, une. Du gravier. Et j'ai pas une pelle sur moi? Pas du tout. Dommage. Gravier, pourquoi du gravier? Il y en a beaucoup en plus. Y a rien du tout. Si de fer pour moi, c'est pas beaucoup. Encore du cuivre. Là, du cuivre, il y en a. Hein. Même le charbon, j'en trouve pas beaucoup. Du charbon. Et du fer. Oh, ça, c'est beau. Du charbon et du fer. Je vais demander de plus. Du diams! Non? C'est trop demandé, du diamant? Que vous croyez que c'est trop demandé du diamant? Non. Moi je crois pas. Et bah c'est un beau filon un bon filon de charbon que j'ai là. Bon, on va continuer à ce niveau-là. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, j'aurai le gravier. Hein. Évidemment.
J'aime pas quand il y a des bruits bizarres comme ça. Ça veut dire quelque chose, les bruits bizarres, ou c'est juste pour faire des bruits bizarres? Est-ce que ça veut dire que je suis proche de quelque chose d'absolument incroyable et que je ne le sais pas? Mais sinon, il n'y a vraiment pas de grotte. Hein. Et bim, ça casse. Plus que ma pioche en fer. Le temps, je devrais quand même tomber sur des grottes. Pas de grotte. Y a pas de grotte. Ok. Je crois que j'ai encore le même bug. Du coup, j'ai une grotte plus bas. Ça c'est magnifique. J'aime pas du tout ce bug. En vrai, je sais pas ce que c'est. Pourquoi ça me fait ça? J'aime pas ça. Vraiment. Bon bah du coup, je sais qu'il y a une grotte un peu plus bas. On va descendre. Le cheat. Eh, c'est pas du cheat, hein. Moi j'étais peinard en train de creuser et d'un coup il n'y a plus de blocs. J'ai rien fait. Non, je sais pas, ça fait 2 fois que ça me fait ça depuis tout à l'heure. Crois qu'on a trouvé la fameuse grotte. Bon. Ah, je crois que j'aurais fini par y arriver quand même. Bon, ça allait tout droit. Mais ouais, c'est bizarre, je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Pas tout à l'heure, là, ça me l'a fait aussi. C'est très bizarre, mais... Je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas ce qui fait ça. Pourquoi? Bonjour! Ah, il y a une araignée. Y a une araignée morte. Y a pas d'autres méchants? Oh merde! Il est où? Aïe. Il est où ce con? Il est mort. Ah! Il m'a fait peur. Une manip pour changer les textures fait F3Q normalement. Ça va s'afficher plein de bugs. Ouais, peut-être éviter. Ah, moi les manips, je fais rien du tout. Déjà, je fais rien, j'ai plus les textures. Y a tout qui s'en va. Un zombie. Oh merde. Aïe! Pourquoi tant de violence?
Je veux juste du fer, moi, et du diamant. C'est bon, on me laisse tranquille. Laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait. Et salut Wolf, comment ça va? Par contre, on va peut-être éviter de perdre la sortie que j'ai déjà perdue. Ok, elle est là. Voilà. Hop, je récupère ça. J'aime pas cette grotte quand même, c'est très grand. Grande grotte comme ça veut dire se perdre. Et moi, j'aime pas me perdre. Non, vraiment. Suis pas très fan de l'idée. Ouais, avec le pack de textures, je crois que c'est dans les bleus ciel. Mais c'est pas ça, ça c'est de la mousse. Hein. Ça aurait été bien hein, que ce soit du diamant, mais. Ça en est pas. Ça aurait fait beaucoup de diamants. J'aurais été très contente. Mais non. La redstone aussi, je vais prendre. Bon, bah, je suis contente, on a au moins trouvé une grotte. Sérieusement. Ça descend très profond quand même. Non, je suis pas en flip. Juste un petit peu, Pachis. Non, j'ai juste quelques heures de survie là pour moi. Cherche du diamant, mais je pense pas en trouver tout de suite. Mais je prends volontairement le fer. Mais c'est beaucoup trop grand. Par contre, ce qui est bien, c'est que le minerai, il brille bien. Lapis aussi, on récupère. Hein. Redstone. Je suis en couche combien? Bonne question. Un 11. Il y a du fer aussi là-haut. Je veux le fer. Il est où? Là, il y en a. Un seul. Adam! Il est plus haut que ça. Est-ce la meilleure des idées ce que je fais? Je ne suis pas sûre, mais on fait quand même. Voilà, ça passe. Il est tombé. C'est pas grave. Oh, il y avait de l'eau! D'aller en zéro, tu devrais en trouver plus facilement. Bah là, je viens de trouver une grotte, je suis assez contente. Je suis allée jusqu'en moins 60, je crois. J'ai rien trouvé. C'est terrible. J'ai vraiment peur de m'aventurer dans cette grotte, en vrai. En vrai, je vous avoue que ouais, je suis pas ce qu'il y a de plus rassuré. Vraiment. Oh, il y a des blocs de lave. Suis contente de trouver une grotte, mais en même temps, je suis pas fan des grottes. Ah, je suis compliquée, je sais.
Il est où ce fer? Il est où le fer? J'ai vu du fer, mais vous ne me la faites pas, moi. Il est où le fer? Ah merde, il est au-dessus! Ah, il est là. On va peut-être poser des blocs, j'ai pas envie qu'ils tombent. Mais il y a de l'eau en fait. C'est de l'eau. En fait, tout ça, c'est immergé ou quoi? Creuser au-dessus de sa tête, c'est jamais une bonne idée. Hein. Mais bon. Je le fais quand même. En posant des torches là où la luminosité est à zéro. Ouais, ça je sais. Je sais, je sais. Ah ouais, tout ça c'est sous l'eau. Il est où le zombie? J'entends un zombie que je ne vois pas. J'aime pas ne pas voir les choses. Toi par contre, je sais pas pourquoi tu t'éclaires en rouge comme ça, mais je t'ai vu. Allez, meurs, méchant, vilain, pas beau, creeper. Ouais, méchant, vilain, pas beau, creeper. Alors. Très grande. Beaucoup trop grande. Grotte. Aïe. 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 Pas bien. Bon, de toute façon, j'ai bientôt cassé ma pioche en vrai. Ça, le charbon, j'en ai besoin. Désolé. Je récupère. Salut. Merci, Wolf. C'est gentil. Ah, je crois qu'il y a une chauve-souris qui a brûlé dans la lave. Chacun ses problèmes. Hein. Moi, j'ai des problèmes de creeper. Elle a des problèmes de lave. Chacun ses problèmes. Ouais, mais après, c'est pas drôle si on essaie trop clair et qu'on y voit tout. Après, moi, c'est peut-être un peu foncé, c'est vrai. Je sais pas. De toute façon, là en vrai, ma pioche elle est bientôt cassée. Il va falloir qu'on remonte. La lave, j'aime pas. Nous aussi, c'est dangereux la lave. A plein de trucs que j'aime pas. T'as des shaders? Ouais, j'ai un shader. Tout à fait. Mais c'est qu'il y a du monde dans ce truc. Avec tes yeux rouges, on te voit à 20 km par contre. Par contre, eux, ils se sont même pas explosés entre eux. Et pourquoi vous êtes aussi nombreux? Aïe! Pourquoi? Tant de haine envers moi. Je m'aime pas.
trop de creepers. Beaucoup trop de creepers. Bon, du coup, je me dirigeais vers ce fer là ici. Et j'ai plus de pioche. Oh, bah, il n'y a plus qu'à remonter. Épée à la main. Bon, ok, en vrai, cette grotte, elle est plutôt pas mal. Elle est très grande, trop grande. Va falloir que je l'aménage de façon à ne pas me perdre. Et puis, ça se passera très bien. Non, mais c'est très bien d'avoir trouvé cette grotte. Bon, par contre, elle est très loin. Là, je veux pas dire, mais c'est pas la porte à côté. Hein. Ah! Un bloc qui gêne. Laissez-moi remonter. Magnifique jeu de mots, Wolf. Il faudra juste retenir que c'est là. Ah oui, je peux pas le mettre parce qu'il y a déjà une torche. C'est là ici, pour retenir. Bah, c'est juste en dessous de celle-là de grotte. Ok! Du coup, combien de fer? Ah, 44! Là, ça devient intéressant. Et là, j'ai un problème. C'est plus simple. Ah, oh, et en plus, il fait jour. Ah, oh, c'est beau la lumière du jour. Ah, oh, ce qu'on apprécie la lumière du jour. Toujours une joie, la lumière du jour. Ah, on est pas mieux là? Franchement. Allez, zou. Hop, on met le charbon et on met le fer. Allez, c'est parti, on fait fondre tout ça. Il me faut d'autres coffres. Non, sérieux là, c'est pas possible. Il me faut plus. Deux coffres. Non, mais non, mais non, mais t'es pas là, toi. Un quatrième, ce serait bien. Ok, un, deux, un et deux. Alors, le minerai, on va le mettre là. On va mettre la redstone, le lapis. Voilà, le cuivre brut. Faisons un peu de rangement. Hop. De l'or, des pépites d'or incroyables. Le cuivre, le fer, les pépites de fer. On a autre chose en minerai? Ouais, on a du lapis là ici qui traîne. Non, mes coffres, c'est pas du tout le bordel. C'est qu'une impression. Absolument pas. Allez, on va mettre le charbon. Voilà. Et là, on va mettre, je sais pas ce qu'on va y mettre. Est-ce qu'on n'y mettrait pas tout ce qui est plantes, là, tout ça, là? Les fleurs, les machins, les trucs, les cultures. C'est ça, c'est une illusion d'optique. Tout à fait, t'as tout compris. Ok, on va y mettre les fleurs. Plein de fleurs. Yeah. Là, ici, on va y mettre les pousses. Oh, puis en plus, on range, quoi. C'est beau. Ça va.
Tout ce qui est nourriture aussi, on va le mettre. Hop. Pommes dorées, tout et tout. On va mettre les œufs, ce qui se mange, on le met là. Le blé, ça ne se mange pas, il faut le cuisiner. Pommes dorées. Betterave, je ne sais plus si ça se mange comme ça, les betteraves. Je sais plus. Avec les graines, carottes, blé, le beau poulet. La canne à sucre, graines de blé. Ok, c'est déjà un peu mieux, non? J'aime, c'est déjà beaucoup mieux. Qui c'est, ça va là? Hop, de la pierre, du gravier, pierre, pierre, pierre. Pierre. Pierre taillée. Escalier en pierre taillée. Pof. Et voilà. Qui c'est qui a dit que c'était pas rangé? Et ça, bah, ce sera le coffre du bordel. Hop, tout le reste, ça va là. Les torches, en vrai, ça se garde. Eh, toujours utile les torches. Voilà. C'est parfaitement rangé. Non, pose pas une torche. Hop. Petit casque en fer. Voilà. Il est magnifique, le casque en fer. Ah, franchement, superbe. Incroyable. Ok, donc ça, on laisse là. On va se refaire un peu des outils en fer, hein, tant qu'on y est allé. Soyons fous. J'ai plus de bâtons. Des bâtons. Des bâtons! Bâtons, ça a gardé sur soi en vrai. Petit peu de bois aussi. Toujours avoir un peu de bois sur soi, ça peut toujours être utile. Hop, une petite hache en fer. Des petites pioches en fer. On va même faire deux pioches en fer. Soyons fous, on va même faire trois pioches en fer. Ouais. Rien que ça. Et bien c'est parfait. Par contre, je vais me refaire un peu des torches. Voilà. 13 torches, en fait, on va aller nulle part avec 13 torches. Mais genre, vraiment, quoi. 13 torches, on fait quoi avec ça? Voilà, c'est beaucoup mieux, ça. Et au passage, j'ai plus de charbon. Normal. Bah, c'est bien, on commence à être pas mal en termes de fer. Donc, vous m'avez dit essayer en zéro pour le diamant. On va aller tester ça. Je vais juste prendre un peu de pierre. Vais me refaire quand même des. Je vais me refaire un petit peu des pioches en pierre. Ouais, deux, ça devrait être pas mal. Faut juste un truc à manger. On va prendre les steaks et les carottes. Ok. Bon, on va les tester en zéro. Zéro tout pile. Parce que là, maintenant, on est pas mal à en faire. Ça serait bien de trouver
du diamant. Et c'est rien. C'était tout à fait ce qui était prévu. Ouais, alors là, par contre, j'ai un problème. Hop. Ouais, en fait, je vais avoir ce problème à chaque fois, j'ai un décalage. C'est terrible. Alors, zéro. Wesh, on est en 50. Ok, faut descendre. Faut descendre encore? Treize, douze, neuf, 3, 2, 1, 0. On est en 0. Eh ben, c'est parti. Ouais, je pars à l'opposé du trou de tout à l'heure. Mais au pire, partir d'un côté. Et en plus, si je repars du même côté, on risque de retomber sur la même grotte. Alors, essayons de trouver autre chose. La terre, sérieusement, on est en zéro, on a de la terre. Avec de la pierre de l'abîme en plus, est-ce que c'est normal? Bonjour? Y a quelqu'un? Y a personne? Y a personne, hein? Y a personne. Quelqu'un? Ouais, c'est derrière. Ils sont Je les entends, mais je ne les vois point. Ah bah... Là, je les vois. Ah, vous êtes combien comme ça? C'est la fête? H? Ils sont où encore? Vous arrivez d'au-dessus, bande de méchants. Et bon, c'est fini? Y en a plus? Oh le con! C'est pas très fair-play tout ça. Ça, c'est du diamant. Que je ne vais pas ramasser. Parce que j'ai une pioche en or fortune 3. Et donc je vais remonter vite fait chercher cette pioche. On est d'accord que ça ramasse le diamant, hein, les pioches en or.
Ne me dites pas que ça marche pas sur les... L'or. Ouais, ça c'est du diamant. Je vais chercher la pioche. Et... Oui, c'est par là. J'ai un doute de par où je remonte, moi. Je sais plus. Ah, trouver du diamant! Diamant, du diamant, du diamant. Petite pioche en or que j'avais trouvée dans un coffre. Avec le petit Fortune 3. Ok, je refais correctement mon escalier au passage. Parce que là... pas possible tout ça. Ah, il pleut! Il pleut! Ouais, par peur de mourir, je l'ai pas sur moi, la petite Fortune 3. Ouais, jamais trop prudent avec ce genre de choses. Eh, bonjour toi. C'est quoi ça? C'est qui ces gens? Ils ont pas l'air gentils. Ils sont trois. Je vais le taper le marchand ou quoi? On va les taper? Je vais mourir. Ah non, c'est bon. Ils ont looté des trucs, les messieurs? C'est des raids, ça. Eh ben, ils sont morts. Bannière menaçante. Incroyable! Ok. Attendez, on va regarder un truc 2 secondes. Progrès. Tu peux aller dedans? Non. Chasser un monstre. Tuer un capitaine de pillard. Mieux vaut rester éloigné des villages pour le moment. Ah! Ok. Bon bah faut pas aller dans le village. Ah ouais, sur le côté j'ai un... j'ai un logo chelou. Ok. Ouais. Non mais d'accord. La bannière menaçante, on va la poser. Ma pioche, elle est où? Voilà. Ah non, c'est une fortune 2. Merde, j'étais pas... Non, c'est la... l'épée qui a butin 3. On va tester. J'espère que ça va fonctionner. J'étais persuadée que c'était une fortune 3. C'est juste une fortune 2. C'est terrible. C'est l'épée qui a butin 3.
Bon, maintenant, il faut retrouver le diamant. Ça serait dommage, hein. Pas de zombie dans. Ouais, peut-être un zombie là derrière. Ok, c'est par là. Bonjour. Et c'était juste au-dessus, si je dis pas de bêtises. Il y a des zombies partout. Viens de faire le ménage. C'est bon, je peux récupérer tranquillement mon diamant? Bon, dites-moi que ça fonctionne. C'est une blague. Cette pioche est pourrie! Bon, bah, rip le diamant. Il n'y en avait qu'un. Super! Super la pioche en or, fortune 2. Incroyable. On apprécie. Oh, mais il y a un creeper avec, mais c'est une blague. Ils sont où? Ils m'ont pas suivi? Aïe! Tout va bien. Le squelette, il est où? Aïe. Faut mourir. Ok. Oh, il n'y aurait pas d'autres diamants? Mais je les vois même pas! Oh non, mais il y a trop de mobs là-dedans! Mais vous sortez d'où tous là? Mais c'est pas possible! C'est une invasion! Ah ouais, au sens propre du terme, ouais. Oh, mais il y en a partout! Je vais me faire manger! Par des zombies! Il y en a beaucoup trop! C'est quoi tous ces zombies? Ils sortent d'où tous ces zombies? Oh, il n'y en a plus, il y en a encore! C'est fini? C'est beau? Y'a plus personne? Cette grotte est extrêmement dangereuse. Je n'aime pas cette grotte. C'est bon, il n'y a plus de méchants.
Ouais, sur l'or, elle fonctionne cette pioche nulle ou... Fonctionne sur rien du tout. Elle fonctionne sur rien du tout. Ah, mais vraiment rien. Mais c'est quoi cette pioche pourrie? Là, tout va bien. Tout va très bien. C'est la pire pioche que j'ai pu voir. Ok. Une pioche qui ne sert à rien. Bah, normalement, il n'y a plus de méchants par là et j'ai tué tout le monde. Sûr que celui qu'il y en a encore. Il n'y en a plus, il y en a encore. Et je mets des torches partout, hein, je m'en fous. Y a beaucoup trop de mobs. Ah, t'es chiant, toi. Non mais dis donc. Faut se calmer. Entendu encore un bruit. Encore un squelette. C'est bientôt fini, oui. Je peux miner en paix? Non. Oui, il a failli me tuer, lui. Et d'où sortez? Ah, c'est pas possible. Sortent d'où ces mobs? Pourquoi tant de haine envers moi? J'ai rien fait. Qu'on va remonter en vrai. Ah, je me fais encore agresser. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette crotte de la mort? Oh! J'ai pratiquement plus de bouffe. Ça descend encore très loin. Mais 20 torches au mètre carré là, parce que pas possible. Ouh, du charbon. Attendez, il m'en faut du charbon. Récupère. Je peux au moins récupérer ça tranquillement, sans me faire agresser.
T'es gentil de ne pas m'agresser. Elle est par où déjà la sortie? Ah oui, là je suis au-dessus. Donc elle est en dessous la sortie. Encore du charbon. Pas rassurée maintenant. Pas sûr que je vais me faire attaquer de tous les coins. J'entends une araignée que je ne vois pas. Elle est où? Est au-dessus encore, elle va me tomber dessus par je ne sais où. Fois rien du tout. Par contre, on va peut-être sécuriser cette lave parce que la lave, c'est pas cool. Voilà, on sécurise. Histoire d'éviter de tomber dedans. Suite à un quelconque problème. Peut-être éventuellement un creeper. Voilà. On y met une torche. Là, c'est bon, hein. Je mets des torches partout. Oh, bah oui, bah bien sûr, l'Enderman, carrément, maintenant. Pourquoi pas, tant qu'on y est. Enderman. Alors, lui, je ne l'ai pas vu, par contre, je l'ai entendu tomber. Il a pris des dégâts de chute. Non, il m'aurait explosé dessus encore. Ouais, je vais prendre le lapis qui est là. Et puis je vais peut-être sortir, hein. Il y a encore un squelette. Ah, c'est bon, je m'en vais. Mauvais. Toute façon, j'ai pratiquement plus rien à manger. Hop. À la limite, ce qu'on peut faire, vu qu'on est en zéro, on va creuser un peu de ce côté pour voir s'il y a quelque chose. Du diamant, peut-être. Mais loin de cette grotte. En vrai, je vais la faire, la grotte. Hein. Je finirai par la sécuriser et tout. Mais là, là, c'est bon. Là, j'ai eu ma dose de la grotte. C'est la même grotte, vous croyez? Il est où? Il est en dessous. Il veut me tuer. Ah.
Montre-moi ta tête. Moi aussi, je peux tirer. Montre-moi ta tête. Il veut pas. Il a peur. Ok, moi je remonte. Bon, j'avais pas de grotte. Là, j'ai des grottes partout, mais c'est bon. Il y a trop de monde dans ces grottes. Il y a beaucoup trop de monde dans ces grottes. Rien à manger. Falloir se faire des stocks de nourriture pour y aller. Ouais. Bon, et puis au moins maintenant je sais que ma pioche incroyable Fortune 2 est totalement pourrie parce que c'est une pioche en or. Et ça fait plaisir, bien sûr. Ah, la lumière du jour. J'aime la lumière du jour. Pas de creeper, pas de méchants. Ah. Ah si, des pillards. D'ailleurs, je peux toujours pas aller au village à cause des pillards là. Ah bah il y a un marchand de plus. Bloc de corail bulle. Poisson pourri tropical dans un seau. Ok, par contre, je suis désolée, mais j'ai pas d'émeraude. Je ne peux pas négocier avec vous, j'ai pas d'émeraude. Par contre, il y a tous les marchands qui sont en train de se pointer, ok? Pourquoi pas, hein? Bon, on a quand même encore un peu de fer en plus. Ça fait quand même plaisir, un petit peu du fer. On va pouvoir faire l'enclume. Par contre, toujours pas de table d'enchante. Eh oui, pas de diamant, pas de table d'enchante. Ça, c'est terrible. Et les betteraves, on va les replanter tout de suite. Hop. On se fasse un peu de nourriture, hein. Un peu beaucoup même. Vraiment beaucoup. Va y en avoir besoin pour explorer ces grottes. Patate. Non, mange pas la patate plante là. Tenez, faites des bébés, il faudra que je les mange aux bébés. Hop. Vous aussi, allez-y, faites des bébés. Hop, vous aussi. Allez. On fait plein de bébés. Les poules. Les poules aussi. Poules en plus, j'en ai besoin. Pour faire des flèches. Comme ça, je récupère les œufs. Quatre petits œufs. C'est une blague? Rip le poussin. Non, bah rip la poule. Hein. Je dis quoi si jamais vous sortez? Vous mourrez. Genre le poussin il était dans le bloc. C'est pas normal ça. Il était pas censé être dans le bloc. Mon armure en fait elle a pris cher ou? Ouais ça va. Vu ce que j'ai pris on peut dire que ça va. Elle a pas pris si cher l'armure. On va se faire des flèches, il me faut des plumes, j'en ai pas beaucoup. On va ranger un petit peu. Carottes, le blé, les patates, le poulet, les graines, les betteraves.
me faut du silex pour... On est 5. Pas beaucoup ça pour faire des flèches. Oh, 18 flèches, ça va quand même. Ah, j'ai looté des arcs tout pourris, tout cassés. Même pas enchanté. Ah, magnifique pioche en or, toute pourrie aussi. On apprécie. Hop, ça on va le poser. Le charbon. On va le poser aussi. J'en ai vraiment pas beaucoup du charbon. Alors, on va dormir. Dodo. On va reprendre un peu la pelle et puis on va aller creuser un petit peu. Ça nous changera des grottes. Voilà. Vous êtes censé cramer. Faites-moi plaisir et cramez. Cram. Oh. Ils sont terribles ces mobs. Hein. Eh, Patito, qu'on peut dire qu'il y aura eu du fight aujourd'hui. Un peu trop de fight, moi, je dis même. Bon, maintenant, on va pouvoir faire un peu de... Terraformation tranquille, non? Par contre, en vrai, la vache... Désolé, j'ai ce qu'il faut. Il faut de la bouffe. Bah, pour le moment, je sais pas encore si le serveur est stable ou s'il va y avoir des mods, donc... Pour le moment, j'avance bof-bof sur la partie multi. Je sais pas encore ce que c'est dit le multi. Hop. Il me semble qu'il y avait des soucis. Mais je ne sais pas si les soucis sont réglés. Donc je sais pas si on va devoir recommencer ou pas. Ou si c'est bon. Je ne sais pas. Je suis dans le doute. Donc pour le moment, en stream en tout cas, je préfère avancer sur ma partie en solo. J'ai cassé ma pelle. Oups, il en sait peut-être plus que moi. On pourra lui demander. Les marchands, ils m'aiment bien. Hein. Il y a deux marchands chez moi. Or, qu'ils m'aiment bien. Hein. Ouais, c'est loin, casser tout ça. Oh, que c'est long. Oh, il y a un chat! J'ai pas de poisson pour le chat! Je vais sûrement avoir un moyen de faire une canne à pêche.
Hey, faudrait que j'adopte un chat. Mais j'ai pas assez un chat. Un petit chat. Un petit chat. Oh, mais ça casse trop vite, ces pelles. Ça casse beaucoup trop vite. Ouais, si ça avance bien, hein, tout ça. Alors maintenant, par contre, ce qu'il me faut, c'est la terre. Plein de terre. Beaucoup de terre. Yeah! Et on remplit tout ça. Il en manque un. Mais pose donc pas une torche. Pas poser de torche, voyons, c'est pas ça l'idée. Ah, tu me gênes, toi. Donc. Pas dire, mais j'ai déjà posé quasiment 3 stacks de terre. Hein. Ça part à une vitesse. Il m'en reste combien? Pas beaucoup. Oh non, mais non, mais pourquoi faut qu'il y ait une fleur en dessous, quoi? C'est pourtant bien retiré les fleurs. Apparemment, je les ai pas suffisamment retirées. Il y en a encore. Ça va, lui, il s'en fout que je bosse. Hein. Passe au milieu comme ça, tranquille. Ne respecte pas mon travail. Bon, ben, j'ai déjà tout posé. C'est terrible. J'ai même pas assez de terre. Mais c'est terrible. Pas de bouffe aussi, ça c'est terrible. Peut-être falloir agrandir les champs. Les champs de blé. Hein. On va manger du pain. On va manger du pain. Hop, de pain. Ah, ça rend pas mal en vrai le pain. Va manger du pain. D'ailleurs, la canne à sucre, ça serait pas mal que je la fasse pousser aussi. Voilà. Faisons pousser de la canne à sucre aussi. Pas une mauvaise idée. Non, c'est pas là. C'est là. Hop, on la met là. Canne de vache. Cuir, du cuir, on en a un petit peu, c'est bien.
Ouais. Je vais essayer de faire des grands champs de blé. Probablement provisoire, mais au moins le temps de d'avoir des stocks de nourriture. Mais là, j'avoue que vu que les mobs sont très gentils, très sympathiques, et bah j'ai pris cher là quand même. On va faire ça là. On va se faire des grands champs de blé. Des champs provisoires, mais des champs nécessaires. Non, parce que... C'est-à-dire que je consomme beaucoup de nourriture dans les grottes. Beaucoup trop. Même, je dirais. Non. Ok, c'est bon partout. Ah, mais elles sont chiantes ces herbes. Non mais... Tu me poses les torches. Ne pousse pas les torches, voyons. Ok, et là on va remettre de l'eau. Non, et là que je veux que tu poses une torche, par contre, tu me le fais pas. Pose une torche. Du blé. On va peut-être la retirer de la main aussi. Les torches, ce sera plus pratique. Hop. Voilà. Voilà. On va manger du pain. Moi qui vous le dis. À voir, voilà vous. N'est jamais tranquille très longtemps ici. C'est ça, ouais. Viens te battre, l'araignée. Ok. Voilà. Ça devrait être pas mal, ça. Je devrais pouvoir... Avoir pas mal de blé et manger du pain. Du bon petit pain. Mais écoutez les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Oh, magnifique lever de soleil. Ah, ça, c'est ce qu'on aime. Bon, on aura quand même un petit peu évolué. On a des cochons, des moutons, des vaches, des poules, un grand champ de blé. Plein de gens qui viennent squatter. Attendez, c'est quoi ça? C'est encore un pillard? Non. Non, c'est un squelette.
C'est un squelette. Il veut pas brûler à la lumière du jour. Normal. Je vois bien. Ok, on va éviter de taper les marchands, c'est peut-être pas nécessaire. Hein? Voilà, avec notre magnifique armure en métal et nos flèches plantées partout. Hein. On peut dire que qu'il y aura eu du fight. Les deux grottes qu'on a trouvées, on va les refaire, hein. On va les revisiter. Mais il faudra les sécuriser. Il y a beaucoup trop de mobs dans ces mines. C'est terrible. Et trop de creepers aussi. C'est moi ou c'est la manne? Ne le suivent plus du tout, lui. Je ne saurais dire. Eh bien, en tout cas, les amis, moi, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. Ce soir, on a du Phasmophobia à 21h. Donc, je vous y attends sur Phasmo. Et je vous dis à tous bon après-midi. Et sur ce, eh bien...